Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Votre Chine. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je partage avec vous quiz de dinde avec des légumes au four Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation Assalamu alaikum, mes amis, j'espère que vous allez bien Ce jour-là, nous vous présentons du rhum avec des légumes au four Restez avec moi pour voir les ingrédients et la de Premièrement, j'aurai besoin de cuisse de dinde et la moitié de jus de citron. Je vais mettre le jus de citron sur la cuisse de dinde et je laisse à côté le temps que je prépare la marinade. Avant, je vais utiliser le fagd de dinde et je vais mettre un nitro de limon et je vais mettre un peu de la cuisse de ثاني شيف واحد الانيه الخلط نوضع فيها عشرين غرام ديال الزبده تقدروا تعوضوها بخمسه حتى لست ملاعق كبار ديال زيت الزيتون الملح على حسب الذوق والرغبه ملعقه صغيره كل من التحميرة أو الفلفل الأحمر الحلو والخرقم أو الكركم ونصف ملعقة صغيرة ديال البزار ملعقة صغيرة ديال الثوم غبرة واحد الملعقة كبيرة ديال العسل وعندي ملعقة كبيرة مخلطة ما بين الأعشاب المنسبة والمعدنوس الجاف نوضع كل هاد العناصر في الزبدة المذابة ونخلط جيدا Dans un plat pour mélanger, j'ai mis 20 g du beurre. Vous pouvez le remplacer par 5 à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Le sel, ça dépend le goût. Une, la moitié de petites cuillères de poivre, une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de curcuma, et une petite cuillère de l'ail en poudre, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe mélangée. Les herbes de province et le persil sec. Je mets tout dans le beurre et je mélange bien.

ناخذ صينيه لتدخل تدخل الفرن ونوضع فيها الخضر اللي قطعتها الى قطع صغيره بالنسبه للخضر تقدروا توضعوا اي خضر موجوده عندكم في المنزل واي خضر تحبوها وضعت فلفله طماطمتين وبطاطس والكوسه قطعتهم الى قطع صغيره وهذا فقط اختياري تقدروا تستعملوا اي خضر موجوده عندكم في المنزل Dans un plat qui entre au four, j'ai mis un poivron, deux tomates, euh, des pommes de terre que je l'ai coupées en petits morceaux, deux courgettes que je l'ai coupées aussi en petits morceaux. À la fin, vous mettez ce que vous voulez et n'importe quel légume vous préférez et je vais mettre la marinade du beurre sur les légumes et je mélange bien et j'ai mis la cuisse de dinde sur les légumes j'ai mis le papier cuisson que je l'ai mouillé j'ai déjà chauffé mon four à 170 degrés je mets mon plat une نوضع تتبيلة على الخضر نخلط جيدا ونوضع عليه فخذ الديك الرومي نغطيه بورق الطهي اللي بللته سخنت او حميت الفرن على 170 درجة نحط الصينية ساعة وذلك على حسب كل فرن وصفتي لليوم اصدقائي عجبتكم الوصفه ما أن تحطو لايك تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله Et voilà ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner